Depuis des siècles, les nomades de la Corne de l'Afrique vivent de l'élevage d'animaux. Aujourd'hui, leur mode de vie traditionnel est menacé. Des clôtures toujours plus nombreuses les bloquent dans leurs déplacements vers les points d'eau et les pâturages. D'autre part, alors que les bergers ont toujours résisté aux périodes de sécheresse, celles-ci sont désormais de plus en plus fréquentes et rigoureuses à cause du changement climatique. Des centaines de milliers de têtes de bétail n'ont pas survécu au manque d'eau et d'herbe. En Éthiopie, au Kenya et en Somalie, plus de 13 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. Au lieu d'attendre que les animaux meurent, CARE aide les éleveurs à réduire leurs troupeaux pour qu'ils aient une taille raisonnable. Les propriétaires reçoivent de l'argent et peuvent ainsi nourrir le bétail qu'il leur reste. Les animaux excédentaires sont abattus et enterrés, ou s'ils sont en bonne santé, la viande est distribuée aux familles. CARE crée également de nouveaux points d'eau qui faisaient cruellement défaut dans la région, tout en assurant la maintenance et la réparation de ceux qui existaient déjà. The productivity of the wells is now on the decrease. The volume of the water is not enough to accommodate the animals. CARE's response to that situation is to rehabilitate the previously mud water cut-off trough. But now, as you can see, it is well cemented. It can handle large livestock. Le personnel de CARE travaille en étroite collaboration avec les communautés pour installer des systèmes d'eau potable dont la maintenance est assurée par les résidents. Les campagnes de sensibilisation sur l'hygiène et l'assainissement permettent de réduire la propagation des maladies. Our core business, our WASH program, is to transform communities. And by transforming, what I mean is that we want, by the end of the program, that each household is able to access some form of basic sanitation, safe water, and also improved hygiene knowledge. Quand les animaux meurent et que les bergers sont forcés de trouver de nouvelles manières de survivre, CARE s'efforce d'inculquer de nouvelles compétences et moyens de subsistance aux communautés faisant face à ces défis sans précédent. Les éleveurs savent qu'ils doivent s'adapter. D'ailleurs, ils ont fait de l'éducation des enfants, y compris les filles, leur priorité. En ces temps de crise et de changement, CARE redonne de l'espoir et une chance d'avenir meilleur à des millions de personnes dans la Corne de l'Afrique. Votre don aidera CARE à lutter contre la famine et la pauvreté dans la Corne de l'Afrique et dans le reste du monde. Faites un don dès aujourd'hui. Merci.